Il leur avait donné un délai de 45 jours. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est à nouveau rendu sur le chantier de la rocade Y4. Une deuxième visite en l'espace d'un mois pour le chef du gouvernement. Objectif constaté de visu, l'avancement de l'ouvrage. Nous avons procédé à cette visite en deux étapes. La première étape, c'est le tracé de la Y4 qui part de la route de Benjerville jusqu'au stade de Bempe. Sur ce premier tronçon de visite, nous avons deux situations. La première, c'est le tronçon entre la route de Benjerville et la route d'Alepé. Sur ce premier tronçon, pratiquement tout le dispositif est en place. Il reste un seul ouvrage pour lequel nous sommes en train de faire les remblais d'accès. N'eût été la fréquence des pluies de ces dernières semaines, le remblai d'accès aurait été achevé. Parce que vous savez, quand on fait un remblai, il faut éviter de superposer des couches quand il y a de l'eau en bas. Quand il y a de l'eau en bas que vous superposez, en fin de parcours, quand l'eau va s'en aller, il y aura des tassements et les remblais risquent de poser des problèmes à la circulation. Donc, l'entreprise, en accord avec le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Entretien routier, est allée à un rythme soutenu, prudent, mais techniquement acceptable. Donc, ce remblai d'accès qui est en cours va s'achever dans une dizaine de jours. Par conséquent, ce premier tronçon sera utilisable pour la circulation à la fin du mois de décembre. Outre les deux tronçons de la Y4, le quatrième pont d'Abidjan a lui aussi fait l'objet d'une visite. Il faut dire que ces deux infrastructures constituent une option non négligeable dans le désengorgement routier d'Abidjan à quelques jours de l'ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations.